Et bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de la ferme des Roms, le 17ème. Salut mon frérot, comment vas-tu? Salut mon frérot, salut tout le monde. Bah écoute, ça va bien. Ben, ravi de te retrouver pour cet épisode. Alors aujourd'hui, quel est ton programme? Eh ben écoute, là, je vais finir ma parcelle là de semis de colza Ouais, t'as commencé en amont. et après, bah je vais la rouler, voilà. Ouais, après tu auras ton roulage, ok. Et bah de mon côté, moi ce sera comme activité épandage de lisier sur notre parcelle à côté de la stabulation où il y avait notre maïs, histoire de refertiliser la parcelle et puis d'épandre un peu notre lisier. Voilà, on a pas mal de stock donc on va l'écouler comme ça. Et ensuite, il y aura aussi de l'épandage d'engrais solides sur la parcelle de colza juste à côté de l'exploitation. Voilà les amis, pour le programme, on se retrouve juste après le générique de la saison pour découvrir toutes nos activités. On n'oublie pas le petit like. À tout de suite les amis! Je retrouve Rome en train de préparer son lit de semences. Bon, ça va beaucoup mieux avec le Fendt favorite, j'imagine. Ouais, et puis je lui ai mis des pneus extra larges. Ouais, j'ai Comme vu ça. j'avais pas le jumelage dessus, Je vois ça je que. me suis dit on va passer en, voilà, en Voilà, extra extra large. large, ouais. Et là, ça c'est du pneu, ça remplace Mais bien carrément, hein. le jumelage. Carrément, carrément. Ça me plaît. Là, il peine pas du tout. Bah non, là, franchement. Pour lui, c'est une balade. Ouais, là il se balade, ouais, c'est clair. Ouais, c'est parfait tout ça, ça fait un bon lit de Et puis semence. comme voilà, comme le gilet il n'est pas à moi, j'ai pas pu le jumeler. Ouais. Donc bah, il était. Oula. Je vais recommencer parce que c'est pas top. Il tirait trop à droite et à gauche. Donc ça n'allait pas du tout pour semer. Ouais, c'est clair. Donc ça explique les nombreux virages dans mon sens. Voilà. Non, mais là ça fait du bon boulot. Ouais, c'est clair. Mais par contre, je sens qu'il y a du poids quand même. Hein. Mais c'est Ah bien ben, produit ouais. et les effets sont vachement bien. Hop. Mais ça se fait bien. Mais c'est vrai qu'avec les pneus que tu lui as remis dessus là, franchement, bon, il est badass. Ah ouais, il fait monstrueux. Ouais. Ouais. Après, je pourrais limite lui laisser. Ouais, bah oui, écoute, pourquoi pas. Hein. Après, les autres activités, même au déchômage, des fois, tu achètes un déchômeur beaucoup plus grand, à la place d'un porté, tu achètes carrément un tiré. Même de la fourche, ça écrase moins En plus, ouais, au niveau du l'herbe et dessage tout aussi, ça. ouais, j'avoue. Bon, bah écoute, on va laisser terminer ça de ton côté. Nous, on va se retrouver sur ma parcelle aussi. On va aller prendre du lisier. On va aller prendre notre beau JD 7530, et puis la cuve. Et on va aller prendre un peu de lisier pour aller redonner un peu de fertilisation à notre parcelle avant de la repréparer aussi de notre côté. Allez, à tout de suite, les amis, on se retrouve chez moi. Allez, je vous récupère ici. Donc, on est parti pour aller prendre notre lisier. Nous, sur la parcelle, l'ancienne parcelle où il y avait le maïs, près de la stabulation, on va aller refaire le plein de la tonne avec le 7530. Hop! Allez, c'est parti. Comme ça, elle sera déjà en partie, on va dire, on va lui redonner déjà un coup de fertilisation avant de la retravailler.
essayer de faire ça avant la pluie parce que je vois qu'au moins qu'il annonce de la pluie sur la partie. Donc si on pouvait déjà aller épandre avant que ça flotte, ça serait pas mal. Allez, nous on va aller épandre juste à côté sur la parcelle de gauche. On va déjà aller remplir donc la cuve. Bon, il en restait encore un peu à l'intérieur, mais là on n'aura vraiment pas assez pour épandre sur toute la parcelle. Peu plus large, parce que on va passer comme ça ici pour qu'on soit dans le bon sens pour remplir la cuve. Voilà, parfait. Ouais, ça passe juste, mais ça passe. Surtout avec le tuyau là qui rase. Mais alors, vraiment, il faut aller pas plus que ça. Voilà, et là c'est parfait, on va pouvoir se positionner ici. Voilà, stop, pas plus. Tac. Alors, normalement, ce qui est bien avec cette cuve-là, c'est qu'on peut faire bouger. Ah, vous voyez. Voilà, hop. On va se mettre comme ça. Attendez, c'est ça que je voulais faire. Voilà. 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 Et là, on va remplir. Hop. Bon, on avait du lisier, hein. Donc c'est pas mal. Donc on a une tonne de 16 500 litres. Donc je pense que ça devrait être suffisant pour. Voilà. Voilà. Parfait. On va remonter un, voilà, un petit chouïa. Voilà. Allez, on est parti pour aller pendre ça. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il va falloir que je prenne un peu plus large là, sinon je pourrais pas tourner. C'est vrai que c'est peut-être un peu juste ici, mais bon, ça devrait le faire. Si je prends bien large, on va se repositionner, voilà, comme il faut. Voilà. Le tout, c'est de prendre comme ça, tranquillement. Voilà. Ouais, ça passe, mais vraiment il y a juste ce qu'il faut. Hein. Allez, c'est parti. Bon, je vais aller me repositionner plutôt là-bas. C'est vrai qu'elle est belle aussi cette tonne, hein, franchement. Derrière, bon, on va y remettre du blé sur cette parcelle. Enfin, les deux parcelles où il y avait du maïs, de toute façon, on remettra du blé. Du coup, j'en ai laissé en maïs grain. Au moins, comme ça, ça permettra aussi d'aller en vendre aussi à la coop. Bon, on va se positionner comme ça. On va se mettre le GPS tranquillement. Allez, on est parti. Que j'aime bien sur cette tonne, c'est vraiment le système de d'éjection, franchement, avec les trois bus derrière comme ça, c'est trop stylé, je trouve. Ce qui est bien avec le GPS, c'est que voilà, on peut se recaler tranquillement. Voilà,
Ah, c'est parfait, ça fait du bon boulot. C'est pas assez large, donc bon, je pense que on est qu'à 60%. Les amis, si l'épisode vous plaît, que vous le trouvez assez diversifié dans les activités, n'oubliez pas le petit like, voilà, que ça fait plaisir. Et puis ben voilà, ravi de vous retrouver encore pour ce nouvel épisode de la ferme des Roms. Encore ça avance tranquillement dans nos activités. On est deuxième quinzaine de septembre, donc ben, franchement on avance tranquillement dans nos travaux de on retravaille nos parcelles avant de ressemer toutes nos céréales pour la prochaine saison. Voilà. Je vous fais un petit cut et je vous reprends dès que la parcelle est finie. Allez, on est sur la fin. Dernier passage. Et puis voilà, on aura eu une tonne complète pour épandre sur cette parcelle. C'est parfait. Et voilà. On est tout bon. Bon, ça c'est fait. Ce que je vous propose, c'est qu'on retrouve Rome de son côté sur sa deuxième activité. On va aller le retrouver sur sa parcelle où il est en train donc de finir de semer son colza. Et je pense qu'il va aller plomber. Allez, à tout de suite. Allez, je retrouve le frérot qui est en train de préparer cette fois-ci. Donc tu vas rouler ta parcelle, c'est ça? Voilà, exactement. Ah ouais, mais t'as un sacré rouleau. Oui, mais c'est pour ça que prévois de passer après à un autre semoir. Ouais, hein. Mais je t'avouerai que là, au moins, ça... Mais ça, en fait, c'est le... qui me restait de l'ancienne ferme. Voilà. Eh oui, c'est vrai, ouais, j'avoue. C'est vrai que c'est ce qui était... Oui. Mais c'est un des seuls trucs que j'ai ramené de l'ancienne ferme. C'est le petit vogne, celui-là, je me rappelais plus qu'on l'avait. Mais il est... Ah, je pensais pas que c'était le petit vogne, mais il est trop beau. Il est trop beau le rouleau. Je l'ai eu celui-ci en revendant l'ancienne ferme. Ouais. C'est avec ça que j'ai démarré ici. Ouais, ouais. Donc voilà. Magnifique. Bon bah écoute, écoute, vas-y, on te regarde. Là il y a de la longueur. On va dire, ça l'occupe. Ah oui, là ça l'occupe. Mais quand je vois la longueur qu'il y a. Ça va vite être goûté hein, ouais. Tout ça. En même temps, t'as des grandes parcelles quand même, donc c'est bien aussi que t'aies ce genre de matériel. Ouais. Ça va te permettre quand même, quand t'as des grandes parcelles, comme je vois la parcelle de colza que t'avais fait là à côté, à ta droite. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va bien t'aider quand même. Et puis comme je compte en rassembler aussi. Oui, aussi. Donc
Donc non, et bah puis après que là. bah, et puis j'ai des clients et tout, Aussi. voilà, Ouais, donc faut que j'avoue. je puisse répondre rapidement. C'est vrai. Donc même en ce mois, il faudra que je prenne du gros gabarit, même en pulvée. Bah, je pense qu'en ce mois, tu peux reprendre du 6 mètres, hein, voire Parce du que 9. en pulvée, je suis à 28 là, Ouais. 28 mètres. Et il faudra que je passe sur du plus gros. Ah ouais. Mais voilà, je voulais démarrer. Bon. Celui-ci, c'était voilà, le premier achat, on va dire, quand j'ai eu l'affaire. D'ailleurs, les amis, je rebondis sur ce que tu dis et ça permettra de dire que j'ai refait des playlists de niveau des vidéos et de chaque série. Donc, pour ceux qui voudraient bah, aller revoir l'épisode où justement je présente le matériel que Rome récupère suite à l'achat donc de la ferme et de la transformer en ETA. Donc maintenant, bah, c'est playlisté, donc vous avez facilité pour aller rechercher maintenant n'importe quel épisode dans n'importe quelle série. Et ça, c'est top. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me l'avaient demandé, donc ça c'est fait. Donc maintenant, vous avez les playlists de chaque série, voilà, de la ferme des Roms saison 1 ou de la ferme des Roms saison 2. Et puis les autres séries qu'il y a eu avant, bien sûr. Marche Du arrière. 19, ouais. C'est vrai que ça l'occupe quand même, hein. Mais il doit être lourd quand même, hein. J'avoue Non, que. non, mais c'est parce que j'y vais quand même tranquille là, Ouais, pour voilà, m'habituer à manier cet engin mais franchement, monstrueux. avec le 7810, il est, ça fait un bel ensemble. C'est clair. Très très bel ensemble. Ouais, donc ce JD, hein, je pense que je vais vraiment finir par le prendre. Ouais, il est très bien aussi. Ouais. Ce serait une très Hein. bonne occasion. Ouais. Du coup, tu revendrais le petit Ford, le TW15, et repartirais d'exploitation en apport pour faire un apport sur celui-là? Je vais voir à ça. Ouais. Je vais réfléchir. Parce que là, je suis déjà quand même. Bah, je suis à 25 000. Hein, et Ouais. puis, vu que bah, j'aurai encore d'autres missions là. Ah Hein, ouais. donc, bon, alors là, j'ai pas fait mon passage. Hop. Bon bah écoute, on va te laisser finir ça de ton côté, mon frérot. Et puis, Ouais. bah voilà, nous on va se retrouver. On va revenir sur l'exploitation chez moi. Et puis on va aller donc épandre un peu d'engrais solide sur notre parcelle de colza, voilà, comme ça on l'aura fertilisé à 100% ensuite. Allez, on va aller faire ça, puis on se retrouve pour finir l'épisode chez toi. Allez, à tout à Ça l'heure. marche. À toute. Allez, je vous récupère ici. Bah, nous, on va aller maintenant épandre de l'engrais solide sur notre première parcelle de colza. Comme il est levé, il avait été fertilisé une première fois avec du lisier. Là, on va lui donner voilà, bah, un petit coup d'engrais solide pour le refertiliser cette fois-ci à 100%. Donc, je suis venu avec le 145-54. On va l'atteler. Voilà. Aux roches. Parfait. Bon, il y a encore de l'engrais à l'intérieur de ce qui restait la dernière fois. Je pense qu'on a largement suffisamment pour aller prendre sur la petite parcelle qui est juste à côté de la ferme. On va pas très très loin, vous allez voir. Du coup, je vais passer. Ouais, je vais passer. Ouais, on va passer par là. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'on aura passé nos activités juste avant la pluie. Donc la parcelle qui est juste à votre gauche, ça y est, j'ai fini de semer toute la parcelle en colza. Donc on aura deux parcelles de colza cette année sur le parcellaire. Allez, nous on va rentrer ici. Allez, hop, c'est parti. Alors,
je sais pas pourquoi, ça m'a fait par moment des petits manques comme ça. Mais bon, c'est pas grave. Je vais me recaler par là. On va se refaire la fourrière. Hop. Voilà. Allez, nous on va remonter ici. Bon là ça pose pas de problème, la culture vient juste, elle est à son premier stade. Donc on peut être en rouleur dans nos jalonnements, ça n'écrase rien. Et après, bah, on n'aura plus qu'à laisser pousser la culture tranquillement. Voilà, la parcelle, celle-ci, sera refertilisée à 100%. Allez, c'est parti. On va refaire la descente. Voilà, parfait. Bon bah une bonne chose de faite. Ah bah allez, on ressort de la parcelle. Allez, on rentre ça à la ferme et puis on retourne voir Rome en train de finir, je pense, de plomber sa parcelle de colza. Et puis on se quittera chez lui pour cet épisode. Allez, lui, je vais le remettre là, tranquillement. Voilà, parfait. Bah écoutez les amis, à tout de suite, on se retrouve chez Rome pour finir cet épisode. Allez, je retrouve le frérot pour finir cet épisode. Bah voilà, il rentre de sa parcelle pile poil. Hey, hey. Ah, il est magnifique cet ensemble. Vous direz dans les commentaires les amis, mais franchement l'ensemble là, il claque. Hein. Oh là, j'ai dû mettre ça rangé encore là aussi. Oh là là. Bon, ça va, ça, t'as bien roulé? Impeccable. Ah bah écoute là franchement au top hein. Ouais, du beau matos hein. Bah c'est la première fois que je teste hein, il est tout neuf hein. Oui c'est vrai en plus ouais. Ouais c'est le premier que j'ai acheté en arrivant ici. Ouais ouais. Hein, c'est le c'était le seul tu... matériel qui ouais. C'était ce qui était présent sur l'exploitation avant que ouais. Voilà donc premier achat on va dire de TA ouais. Hein, parce que ça, ouais, ça va servir beaucoup pour mes clients et tout ça. Ok. Bon ben voilà les amis, mais écoutez, ça a encore fait un épisode assez diversifié, donc ça c'est parfait. Nous on va se retrouver vendredi soir donc pour le live à 20h40 comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas le petit like, voilà, très important. Mettez un petit commentaire si ça vous fait plaisir. Et puis nous on va se retrouver donc très vite avec le frérot. Écoute, je te souhaite une bonne fin de semaine. Bah écoute, à toi aussi hein. Et puis bon courage pour ton taf. Et puis bah on se retrouve donc vendredi soir pour le live. Bah merci bien. Bonne fin de semaine à vous tous. Ciao ciao les amis, bye bye. Ciao. Ciao tout le monde.